fais? Là, je vérifie une livraison d'auxiliaires. Donc là, on a des chrysopes. Ici, on a des Adalia bipunctata. En gros, c'est des coccinelles. Et ici, ce sont des aphidentes. Ce sont des petites mouches parasites. Tout ça, ce sont pour des pucerons. Parce que cette année, on a énormément de pucerons en concombre et encore plus en aubergine. Donc les chrysopes et les coccinelles, ça, ça a vraiment un effet radical au niveau nettoyage. Donc ça mange le puceron quand il est petit, quand il est grand. Voilà. Et ceci, ce sont des mouches et ça a un spectre d'action beaucoup plus large. Donc elles s'envolent, elles vont pondre des œufs dans les pucerons. Et ensuite, la larve se développe à l'intérieur et la mouche sort du puceron, l'ouvre en deux, s'ouvre. Et... C'est magnifique. Et ça couvre une plus grande surface, donc les concombres, mais aussi les poivrons à côté, éventuellement des petites verdures. Et quoi, ça survit dans les petites boîtes comme ça jusqu'à ce qu'on les place Oui, donc en soi, ils arrivent ici, ils n'arrivent pas. Je ne pense pas qu'il y en ait ici dedans, mais ici, il y a de la nourriture dedans. Donc, et un support. Et aussi, c'est plus simple. Là, je ne sais pas, on ne va pas en voir, mais dans les capsules ici, on peut les voir. Donc, c'est plus facile à épandre aussi. Parce qu'en soi, c'est une petite poudre. Et on épand la poudre sur la culture. Et donc là, on en voit une, par exemple. Donc ça, c'en est une. C'est une larve de coccinelle. Elles sont toutes petites, hein, mais ça... Elle est vivante. Voilà, elle est vivante, oui. Voilà. Et donc, ça vit ici, là-dedans. Ça vit là-dedans. Et ce sont toutes des petites comme ça, capsules. Donc, ça permet de les épandre sur la culture. Donc, par exemple, en faisant comme ça, tout simplement. Et la larve se répand sur la plante, se balade et en tout bien propre. Là, je regarde si la livraison est... si on en a à l'intérieur. Là, on en a à l'intérieur. Ah ouais, c'est bien vivant. Mais en fait, pour les coccinelles, c'est assez simple. Et ça, c'est quoi le petit sachet ici? Poudre avec des acariens dedans, suspend dans un petit sac à différents stades qui sortent par ce trou-là. Là, ici. Ok. Et les acariens se répandent dans la culture et ils bouffent. Le monde des insectes. Si le karma existe, on est mal barré. Hein.